c'est trop tard. Il faut que je l'arrête. Répondez à nos questions. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous hante à ce point? Quel est ce besoin que nous sommes les seuls à pouvoir satisfaire? C'est votre vie pitoyable que vous voulez retrouver? N'êtes-vous pas reconnaissante de ce qu'on a fait pour vous? Nous vous avons accueillis parmi nous. Nous vous avons donné une nouvelle vie. Pourquoi nous tournez-vous le dos? Pourquoi refusez-vous d'obéir? Ça suffit! Fermez-la et dégagez! Thank you.
les patients meurent quand ils sont connectés à la machine? Qu'est-ce que ça veut dire, Jiménez? Après ce que vous lui avez fait. Enfin, ce n'est qu'une supposition. Mais c'est comme si la conscience de Ruben était prise au piège dans le STEM. Et il attaque tous ceux qui essaient d'y entrer. C'est inexcusable. Il faut régler ce problème. Nous n'avons pas fait tout ce travail pour rien. Ruvik. Il était dans le STEM depuis le début. Eh bien, il ne mourra pas. Mais pourquoi Leslie? Qu'a-t-il de spécial? Il n'a pas toujours été comme ça. Il est devenu catatonique après un événement traumatisant dans son enfance. Sa famille a été tuée sous ses yeux. Les données suggèrent que la synchronisation cérébrale avec Ruben est liée à un traumatisme spécifique. Pour Ruben, la perte de sa propre famille. C'est ennuyeux. Il nous faut une autre corrélation. Quelque chose qui corresponde à un plus vaste éventail d'individus. Les progrès ne sont pas assez rapides pour eux. Ils nous demandent des comptes rendus réguliers. Seuls les résultats comptaient au début. Mais voilà qu'ils nous imposent des délais selon leurs besoins. Typique des bureaucrates. J'essaie de pousser Ruben, mais il s'éloigne davantage. Il travaille chez lui et refuse de venir au laboratoire, à moins que ce soit pour travailler sur le prototype du STEM. L'inquiétude me gagne. Mobius doit commencer à se poser des questions sur nous.
faut une personne rationnelle dans le STEM. Il lui serait possible de neutraliser Ruben. Enfin, Ruvik. Grâce à mes connaissances du système, je pourrais vous être... Il n'en est pas question. Je ne veux pas que vous compliquiez les choses davantage. Nous allons préparer l'un des nôtres. Envoyer quelqu'un d'inexpérimenté, on ne sait même pas s'il pourra revenir. En ce cas, nous choisirons quelqu'un de superflu. Superflu. C'est donc comme ça que vous me considérez. Et moi qui vous faisais confiance. Où est-ce que je suis encore ? Sébastien est venu ici.
Faites ce que vous voulez. Vous ne m'arrêterez pas. C'est bon. J'en ai assez. Oh, c'est pas vrai!
Je suis très déçu, Kid. Cette mission est simple, mais vous désobéissez. Heureusement pour nous, il y a toujours un plan B. Ce qu'on vous donne n'est pas toujours dans votre intérêt. L'infusion. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Nous devions savoir si l'un de nous pouvait survivre dans le système. Mais nous ne voulions pas risquer la vie de quelqu'un d'important. Votre rôle était de nous donner l'accès. Et me voilà. Non. C'est Ruvik. C'est lui qui fait tout ça. Retroussez votre manche. Hé, hey, minute. C'est quoi cette seringue? Pas question que vous me piquiez avec un truc aussi gros. Vous avez donné votre accord, Mademoiselle Kidman. Ne l'oubliez pas. On ne vous veut aucun mal. Mais il y a un protocole à respecter. Et ce protocole, il dit pas que ce serait bien d'expliquer à la personne qui se fait piquer où elle est et pourquoi vous lui faites... Oh, ça fait mal. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Y'a quelqu'un? Vous me faites une piqûre et vous me laissez avec cette vidéo en boucle? C'est censé être scientifique, ces méthodes à la con! C'est pas trop tôt. Bon, je peux y aller? Pas tout de suite, Mademoiselle Kidman. Comment vous sentez-vous? Pas de maux de tête? De saignement de nez? Hein? Non. Mais j'ai un peu l'impression de flotter. Comme si j'étais sous l'eau. C'est un effet normal de l'injection que vous avez reçue. Il ne nous reste plus que la dernière phase du test à effectuer. Ensuite, vous pourrez partir. Bon, d'accord. Allez-y. Bien, je vais maintenant vous poser une série de questions. Vous me répondrez en regardant les images affichées devant vous. Ne vous détournez surtout pas de l'écran. Vous comprenez ? Ouais. Question numéro 1. Vous êtes-vous déjà senti trahi par quelqu'un de confiance ?